Joie et chant de griots au rendez-vous pour le prix Goncourt des lycéens 2020 de retour au bercail. En larmes, Djali Amadou Amal ne cache pas son émotion face aux nombreux publics venus l'accueillir à l'aéroport international de Douala. La romancière, tout émue, est remplie de gratitude. Ce concours de lycéens, il est peut-être plus important parce que c'est les jeunes en fait qui votent. Et quand c'est les jeunes qui votent, ils sont sincères. Nos femmes vont savoir qu'elles peuvent tout réussir. Ce concours-là, il est pour tous les Camerounais. La nombreuse communauté du Grand Nord du Vouri a fait le déplacement pour venir témoigner son soutien à sa fille, sœur et femme qui a honoré la communauté de son sac. Cette Camerounaise partie du Sahel a brillé sous le monde littéraire. Et cela nous réconforte dans l'éducation de la jeune fille. Cela nous encourage à mettre un accent particulier sur l'éducation donc de la jeune fille, de la jeune femme du Grand Nord. Pour les autorités, le Cameroun littéraire est véritablement au pinacle. Si Djali Amadou Amal est la deuxième écrivaine camerounaise à recevoir cette prestigieuse récompense après Léonora Miano en 2006, cela démontre à suffisance que la littérature camerounaise a encore de beaux jours devant elle.